Les hommes de Marie Lévesque ont déchargé les bateaux et emporté le grain au palais du Luxembourg. Si le peuple croit que la famille royale accapare des réserves de grain en temps de famine... Ce sera l'émeute. C'est exactement ce que Germain souhaite. Je te laisse, Madame Lévesque. Je vais retrouver le grain volé et le faire sortir de là avant qu'on ne le découvre. Fais attention à toi. Ne te fais pas prendre. Au secours! À l'aide! À moi! Donne-nous la poudre! Qu'est-ce que nous allons faire, Michel? Si seulement je pouvais mettre la main sur ce garde. Une très belle fête. Vous vous êtes surpassée, ma chère. Merci. Veuillez m'excuser, je dois aller retrouver mon mari. Merci, monsieur. Tout va bien? Oui. Si vous acceptez de me conduire en sûreté, je vous promets le spectacle de votre vie. Je m'en voudrais beaucoup d'abandonner un artiste dans le besoin. Nous y sommes prêts! On approche! Attention! Merci, mon ami. J'aimerais pouvoir vous remercier comme il se doit. C'est inutile. La diversion suffira largement. Qu'entendez-vous par là? Rien. De pain. Tous ceux qui sont ici s'accusaient de la même chose. Et c'est ça qu'ils appellent la justice. Je le pourrais. Je rachète la parole. Je vous apprends. Tous ceux qui sont ici en feraient autant. Mais j'ai peur qu'un autre sort nous attende. Oh, Michel. Je t'aime. Moi aussi. Allez, ou je vous suis obligé.
Oui, monsieur. Vérifiez que cette cellule est fermée à double tour. Je n'ai pas leur tête. Oui, monsieur. Les cellules sont dans bon ordre. Oui. Fais-moi sortir. Hé, il est à toi. Ouvre les cellules. Aide-nous. Je t'en supplie. Fais-moi sortir. J'ai faim d'ici. J'étais juste derrière lui. Bon sang, qu'est-ce que c'était? Un pétard? Hein? Mais où est-il passé? Thank you.
remercier de votre... Ce soir, nous fêtons une nouvelle étape sur la voie de la liberté. À nous. À nous. À nous. À nous. Bien, désirez-vous un peu plus de vin? Les coffres se font. Rappelle-toi ce que je t'ai appris, Marie. Oui, maman. François Thomas Germain, tu es banni au titre des crimes que tu as commis contre l'ordre des Templiers. Tout homme qui lui portera secours connaîtra le même sort. Pauvre fou, il devrait me parler. Je connais ses pensées, de la serre! De la serre! Madame, un visiteur. J'ai besoin de ton aide, Marie. Vous aviez raison. Le roi Louis entretenait toutes sortes de relations répréhensibles. Il complotait contre la Révolution d'une main, tout en jurant soutenir la Constitution de l'autre. Bien. Vous saurez confier ces informations aux bonnes personnes, monsieur Le Pelletier. Bien entendu, grand maître. Grâce aux preuves réunies, la condamnation du roi est acquise. Je couvre vos arrières. Que se passe-t-il ? Je vais te rattraper ! Je suis toujours là, fourchon ! Huh?
vas ? Moi aussi, je veux jouer ! Bon, ce sera la je vais donner un bon jeu. Arrête donc, bouge-pilé.